Bonjour à toi, c'est Rémi, j'espère que tu vas bien. Moi, j'ai mis une petite guirlande là parce que dans une semaine c'est Noël, donc traîne pas frère, traîne pas. On est reparti pour des petites vidéos 7, et oui, parce qu'il y en aura 7 au total. On est le mercredi 18 décembre et dans une semaine c'est Noël, donc une vidéo par jour jusqu'au 24 décembre. C'est comme ça, c'est cadeau. Ne dis rien, chut, ta gueule. Alors cette fois-ci, 7, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des tops. Et aujourd'hui, on va s'occuper du top des meilleurs appareils photo à offrir pour Noël selon les catégories. Alors, je vous dis tout, c'est un classement que j'ai récupéré depuis le site clubic.com. Je suis transparent avec vous, c'est très important. Je vous mets le lien du classement si je le retrouve dans la description. Alors, pourquoi j'ai pris ce classement-là? Il m'a semblé correct, en fait. Ce classement m'a semblé très correct. Ça m'a semblé, effectivement, être des produits de qualité plutôt pas mal et qui correspondaient tout à fait à ce qu'on pouvait rechercher. Alors, on commence avec le meilleur compact selon le site de Clubic. Encore une fois, c'est pas subjectif, hein. Je veux dire, si vous trouvez que ce modèle là il est pourri, vous regardez autre chose quoi, puis c'est tout. Donc on commence avec le meilleur compact de la catégorie, ce serait le Olympus TG5. TG, tu me dis jamais TG, hein. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Et pourquoi je devrais fermer ma gueule? Bon, il n'est pas tout jeune non plus cet appareil photo là, il est sorti à l'été 2017. Il a quand même de la vidéo 4K, mais ce qui est bien c'est qu'il a l'air robuste. Il a une norme IPX8, ce qui fait qu'il est étanche jusqu'à 15 mètres de profond selon Olympus. Il peut résister à une chute de 2 mètres de haut et résister à un poids de 100 kg en fait. C'est simple, en gros vous prenez l'appareil photo, vous le mettez à terre, déjà vous le jetez parce qu'il résiste aux chutes, et ensuite vous montez dessus. Si vous faites pas 100 kg, vous montez dessus et c'est censé résister. Ah, puis il peut aussi résister à une température de moins 10 degrés. Alors, il y a quelques petits capteurs à l'intérieur qui pourraient être pas mal pour rajouter des metadata ou des métadonnées, comme vous voulez, sur vos photos. Notamment une puce GPS, un manomètre, une boussole et dessus il y a un double vitrage anti-buée au niveau de l'écran, je suppose, puisque je n'ai pas d'informations là-dessus. Donc soit au niveau de l'écran, soit au niveau du capteur, anti-buée en fait, hein, c'est si vous plongez dans la flotte, tout ça, etc. C'est pour éviter qu'il y ait de l'humidité qui rentre et que ça fasse de la buée en fait. Et que ça gêne la visibilité tout simplement. L'autofocus est précis et réactif, il est capable de faire des rafales à très grande vitesse, c'est le mode macro et pas mal réussi. Alors l'image n'est pas très homogène, mais déjà sur ces points là c'est pas mal. Et en fait quand vous allez en boot zoom, c'est à dire en zoom 4x, on sent que l'image il manque du détail, il manque du piqué, tu vois, il n'y a pas. Et au niveau de la sensibilité en ISO, on n'a pas un large spectre en fait pour un appareil photo acheté en 2019. Mais bon, je vous rappelle, il est sorti en été 2017, donc on n'avait pas forcément les mêmes avancées technologiques qu'on a aujourd'hui en 2019, quoique ça n'a pas beaucoup évolué, mais quand même. Bon, en globalité, ça reste pas mal. Si vous cherchez vraiment un appareil photo un petit peu destructeur comme ça, où vous pouvez vraiment vous balader partout, allez-y, le Olympus TG5, je vous rappelle qu'on ne dit pas ta gueule aux gens comme ça. Tome 2. Donc, allez-y, voilà, allez-y tout simplement. Si vous cherchez un hybride, le meilleur de la catégorie, c'est le Panasonic Lumix GX80. Donc un appareil photo hybride, c'est tout simplement le meilleur compromis entre les compacts et le réflexe. Si vous voulez, c'est un espèce de compact avec un objectif interchangeable. On peut dire ça comme ça. Donc lui, il est sorti en 2016. À l'époque, quand il est sorti, il était proposé nu à 599 €. Quand même. Donc nu en fait c'est l'appareil photo, le boîtier mais sans objectif devant. Vous deviez trouver un kit à côté pour avoir l'objectif ou acheter un objectif à part. Aujourd'hui à l'heure où je fais la vidéo il tourne plus vers les 400 balles, surtout si vous le prenez avec un kit objectif Lumix G Vario 1232. Il est assez discret, alors discret de par ses dimensions et aussi l'obturateur qui... On l'entend pas, ça fait pas de bruit en fait. Toute l'obturation ne fait pas beaucoup de bruit. Il y a un viseur électronique, un écran orientable tactile et la qualité de construction qui est quand même pas mal. Il y a un peu de métal, un peu de plastique. Il est pas tropicalisé par contre. Donc si vous devez aller un peu sous la flotte, non, laissez-le dans le sac. Bon, il fait de la vidéo 4K hein, forcément. Il est assez réactif et la stabilisation forcément c'est assez bon sur ces appareils photo puisque... C'est un intérieur et c'est plus gros qu'un Olympus comme on a vu tout à l'heure. Ça permet plus de choses. Il y a une griffe porte-accessoire, donc vous pourrez mettre un flash ou un micro, sachant qu'il n'a pas de prise
une prise casque, prise micro. Donc c'est bien d'avoir ça du coup, parce que si vous voulez mettre un micro Rode dessus, vous pouvez. Par contre, petit bémol sur la batterie, si vous l'achetez, n'hésitez pas à prendre une deuxième batterie, puisque l'autonomie n'a pas l'air d'être géniale. Donc ça, c'était le Lumix GX80 de chez Panasonic. Les appareils photo instantanés sont revenus en force en 2019. Là, on le voyait à l'époque, c'était les gens, tu les voyais, ils prenaient en photo, puis t'avais la photo qui sortait directement, un instantané. Voilà. Et ils secouaient comme ça en fait leurs photos. En vérité, il n'y a pas besoin, il me semble. Chacun pense ce qu'il veut, le meilleur dans la catégorie, en tout cas, d'après Clubic, ce serait le Fujifilm Instax Mini 90 Neo Classic Power. Bon, il n'y a pas le Power dans le nom, mais... Fujifilm Insta Mini 90 Neo Classic. Alors c'est le mieux équipé, il y en a d'autres dans la gamme de chez Fujifilm, mais c'est le mieux équipé. Déjà, il est alimenté par une batterie rechargeable et pas par des piles. Il y a un mode macro, une correction de l'exposition qui peut se faire sur 3 niveaux. Il y a un retardateur avec différents modes aussi qui vous permet soit de prendre une seule photo, de faire deux photos ou d'avoir un retard de 10 secondes. On peut contrôler le flash, c'est-à-dire qu'on peut l'activer ou le désactiver comme on veut. Et il y a un petit écran qui vous rappelle les réglages qui sont en cours et qui vous donne aussi le nombre de photos restantes. Il y a différents modes aussi de photos qui sont pas mal, enfin de pré-réglages surtout. Vous savez, les trucs fêtes, paysages, enfants, double exposition, etc., etc., correction des yeux rouges. Il y a tous ces petits modes là dans l'appareil photo. Et donc là, forcément, vous connaissez le principe, hein, vous mettez ces modes là et c'est l'appareil photo qui gère tout seul. C'est un instantané, mais le boîtier est assez élégant. Là, il est dans la version, noire. Enfin, c'est de l'imitation, hein, c'est pas du cuir, hein, mais on va dire imitation cuir noir. Vous pouvez aussi l'avoir en marron. Alors, il y a juste un petit bémol, c'est que l'exposition, c'est-à-dire, en gros, s'il y aurait de la lumière derrière moi, il faut qu'il compense en fait l'exposition, justement, pour qu'on arrive à voir derrière moi et qu'on arrive à me voir moi. Parce que le problème d'avoir de la lumière derrière, c'est qu'en gros, il va capter la lumière de derrière. Et moi, je vais être tout noir, on va pas me voir. Ça va faire une ombre en fait à ma place. C'est ça qui est génial. C'est ça qu'on appelle l'exposition sur les appareils photo. Là par contre, il a un petit peu de mal. Je dis pas que c'est absolument un chier, mais dans certaines situations, on va voir que l'exposition, elle se perd. Tout dépend où est-ce que vous allez le chercher, mais sur celui-là, on va parler de prix, puisque vous pouvez l'avoir aux alentours de 100 balles. Les réflexes, maintenant, c'est un Canon qui arrive en haut du panier avec le EOS 80D. Pareil, il est sorti à l'été 2016. Il a une bonne prise en main, il a un écran tactile orientable qui affiche les menus de l'OS à l'intérieur d'une manière bien pensée. En fait, c'est juste l'OS hein, qui est bien pensé, mais voilà, l'écran permet de bien les afficher aussi. Il y a un viseur pentaprisme 100%, définition du viseur pentaprisme. Il y a peut-être juste des petites qualités, des petites finitions, notamment avec la molette arrière pour sélectionner tout ce qui s'ensuit. Voilà. Elle a un peu de mal la molette, tu vois un petit peu. Il y a un intervalomètre. Allez savoir à quoi ça sert vraiment. Du Wi-Fi, du NFC, etc., etc., du GPS peut-être aussi. Donc il y a quand même de la connectivité. Hein. Il y a un bon mode vidéo avec de la 60p. Par contre, il n'y a pas de 4K. L'autofocus, il est assez précis et assez réactif. Et bien sûr, une prise casque, prise micro, vu que c'est un réflexe. Au niveau du capteur, c'est un capteur APS-C de 24 mégapixels. Donc au niveau de la sensibilité, il y a une plage qui va de 100 à 16 000 ISO. Et selon les réglages, selon l'objectif que vous aurez, etc., etc., si vous arrivez à augmenter ça, vous pourrez même augmenter les ISO jusqu'à 25 600. Donc en gros, plus c'est élevé, plus vous êtes capable de voir dans le noir. En fait, c'est ça. Enfin, grosso merdo, hein, bien sûr. Et vous pouvez aussi prendre des photos en RAW. Voilà, si vous voulez, il y a une option, vous l'activez, vous prenez des photos en RAW, c'est génial. C'était le Canon EOS 80D pour la Reflex, si vous voulez. Il y a bien sûr d'autres appareils photo dans chaque catégorie, que ce soit compact ou Reflex. Hein. Il y a d'autres appareils photo qui existent, d'autres appareils photo qui sont bons. Mais ici, ce sont des modèles qui ont su se démarquer de par leur qualité, leurs différentes qualités qu'ils avaient. Après, tout dépend de ce que vous recherchez précisément. C'était donc un petit classement non subjectif, non objectif. Dépêchez-vous, dans une semaine, c'est Noël. Donc grouillez-vous le cul. N'oubliez pas les réseaux sociaux, ils s'affichent juste ici, Facebook et Instagram, comme d'habitude. Donc ça, c'est pour la chaîne classique. Il y a aussi les réseaux sociaux pour Carrette. Voici, hein, c'est pareil, un Instagram et un Facebook. L'adresse carretteabonné@gmail.com, bien évidemment, si vous voulez m'envoyer un petit mail pour qu'on puisse passer avec vous sur la chaîne, avec votre voiture, qu'elle soit vieille, plus récente, rabaissée, avec des jantes BBS ou pas, qu'elle sorte de l'usine, qu'elle sorte du garage, ou que ce soit une collection, n'importe quelle voiture, ça m'intéresse. Vous me mettez au moins le kilométrage, ce que c'est comme modèle,
la motorisation avec au moins une photo. Je vois un peu la gueule qu'elle a. J'ai fait le tour pour les réseaux sociaux. Bien sûr, n'oubliez pas le lien du classement dans la description. Seven revient demain à 18h sur la chaîne. Et demain, on fera le top des smartphones de 2019. Passez une agréable journée, soirée ou matinée. Tout dépend quand est-ce que vous avez regardé cette vidéo. Ciao, ciao.